Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de cette nouvelle série entre guillemets temporaire sur Lawbreakers. Alors je vais vous tourner deux épisodes de cette session de Lawbreakers. Il faut savoir qu'il est en bêta jusqu'au 5 juillet. Je ne sais pas combien de vidéos vous aurez jusqu'au 5 juillet, pas du tout. Hein. Là attendez, je peux regarder vite fait pour vous, entre nous chers amis, vu que nous sommes entre nous. Jusqu'au 5 vous aurez potentiellement... deux vidéos de cette session, tout simplement. Donc voilà, le jeu est en bêta jusqu'au 5 juillet. Vous aurez sans doute la deuxième vidéo après le 5 juillet. Donc vous inquiétez pas, je vous retiendrai au courant, entre guillemets, au début de la deuxième vidéo. Qu'est-ce que Lawbreakers ? Lawbreakers est un jeu compétitif. On va peut-être pas dire compétitif. Un jeu, entre guillemets, à la. Un shooter compétitif. À la Overwatch, entre guillemets, si je puis dire, dans le principe de base. Avec différents types de héros dans deux catégories, deux factions différentes, la loi, les laws, et les breakers, ceux qui sont contre la loi, entre guillemets. Donc on va faire les tutoriels, vous voyez, qui rapportent un petit peu d'argent. J'ai pas encore joué au jeu, j'ai pas même encore fait le vidéo dessus, du coup, vous voyez que en termes de... Ça, je mettrais bien ça. Je sais pas si je peux mettre le TAA. J'aimerais bien le mettre à fond, en fait, en ultra partout. On va faire le test, hein, si le tournage plante, c'est pas grave. On rigolera. Voilà, on est dedans. Confirmé. Ça permet de gens bien été sauvegardés. On part en tutoriel, et donc je crois qu'il y a des tutoriels qui rapportent de l'argent et d'autres non. Bah, on va en prendre le premier, l'épouvantail. Apprenez à vous démarquer du lot avec un triple saut et à jouer du couteau comme un pro. C'est parti. C'est une vidéo YouTube. Bah écoutez, on va pas les faire alors. Désolé, on va pas les faire. Moi je pensais que ça allait être... Ce sont des vidéos YouTube. Je suis un peu déçu. Donc plutôt que de vous montrer tous les personnages directement, on va jouer simplement en partie rapide. Voilà, et je vous retrouve après une ellipse dans une partie. A tout de suite. Re, chers amis. Alors, j'aimerais bien faire partie... Alors voilà, on a différents héros. Mercenaires. Si ça veut bien apparaître. Alors, sentinelle, mercenaire, titan, assassin, maestro, léviathan, toubib, épouvantail et une classe qui n'est pas débloquée apparemment. Moi je vais plutôt prendre un maestro, s'ils sont disponibles, je sais pas s'ils sont disponibles. Apparemment non, d'accord. Ok, d'accord, nous sommes donc chez les Breakers. Ok, voilà donc le jeu. Finalement il est pas si beau. Apportez la batterie dans votre donc j'ai un dash apparemment. J'ai 3 dash. Donc j'ai littéralement une version Tracer. Alors attendez, j'ai un problème. Un problème, c'est que les touches ne sont pas configurées pour cette bêta. Bien, bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais mourir. C'est la fête. Configuration des touches. Batterie volée. Ok, compétence clé. Et normalement c'est bon. Voilà, bon, on va bien voir. L'ennemi charge la batterie. Oh la vache! Et donc je suis remort. Ça va très très vite, hein. Comme vous pouvez le voir, ça va très 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 vite. Ça va même presque trop vite. Apparemment, il y a un objectif là-bas. Hop, alors attendez. Ah la vache! La mort murmure à mon oreille. Batterie chargée à 75%. Vache, elle me suit! Vache, c'était quoi ça? Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais par contre elle est clairement balèze de chez balèze. Donc forcément ça va extrêmement vite, hein, chers amis. C'est un jeu qui a été fait pour aller vite. Et apparemment elle est dans le coin. Hein. Elle est une véritable saloperie. La vache. Ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas.
Je crois que celle-ci, elle est l'âme, justement. Batterie réinitialisée. Ok, on y retourne. Ils mourront sans même s'en rendre compte. D'accord, intéressant. Batterie obtenue. Hop. Batterie en charge. Oh la vache, ça a été rect aussi sec. Je m'auto-impressionne des fois. La vache. Non, on va continuer avec elle. Pas grave. L'ennemi charge la batterie. Je suis vachement aidé. Hein. Ok. Ok. Vache, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite et sans trop connaître le truc. Et à côté de ça, il y a mon meilleur ami qui m'envoie « Bon, c'est officiel, mon PC, c'est vraiment de la merde en bas. » Ici et maintenant. Batterie chargée à 75%. Pourquoi j'ai l'impression d'être tout seul? Allez! La batterie est entièrement chargée. Mais comment? Batterie obtenue. Vache! Mais je suis tout seul à jouer les objectifs dans mon équipe! Donc du coup j'ai le meilleur score! C'est fou hein! L'ennemi charge la batterie. Qui défie la Shura ne s'en remet pas! Ok. Putain, je suis paumé. Vache. Je suis le seul à jouer l'objectif de l'équipe. Par contre, ouais, peut-être que le son est assez fort. C'est possible aussi. Hein. Je vais en profiter pour le baisser un poil. Hop. Voilà. J'espère que c'était pas trop. Ok. Ok. Je sais pas ce que c'est. La santé peut-être. Batterie obtenue. Ah, ça c'est encore mon meilleur ami. Batterie en charge. Je peux pas sauter plus haut que ça. Ah la vache, ça m'a fait mal ça. On va changer de classe maintenant qu'on a pris ça. On va prendre moi j'étais parti pourquoi on va pas prendre un épouvantail, on va bien voir. Et par contre j'ai vraiment l'impression. Ok. Ah la vache. Alors je peux dasher, ce qui permet même en plein vol de revenir au sol. C'est assez intéressant. Mais ça reste vachement compliqué. Un excellent trafiquant d'armes doublé d'une fine gâchette, c'est tout moi. Par contre ce serait bien que mes potes jouent les... Ah la vache. Ah ça m'arrête aussi sec. Ah puis il y a lui derrière qui est arrivé. Bon. Batterie volée. Explosion du frelon. D'accord, intéressant. Mais bon, on n'est pas aidé par nos copains. Hein. Et moi, je taille dans le vif. Ah, j'ai des problèmes de souris. D'accord, bizarre. Ma souris va encore mourir. De toute façon, j'ai eu deux nagas et les deux nagas, je pense qu'elles vont mourir de la même manière.
Bon, bah on a perdu, chers amis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va en faire une deuxième. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. La suite. On va faire la suite. Alors, chers amis, nous avons une caisse en attendant. Hop. Ah non, c'est même pas en attendant. Je crois que j'ai quitté la ligne d'attente. Alors, nous avons ici... D'accord, d'accord. Ah, du verre, apparemment. Un skin d'arme pour le Léviathan. Observez. Ok. Volcanique camo. Eh, écoute, on va l'équiper, on va bien voir. Choix du personnage... Pas équiper les deux, voilà, les deux. Crac. Ok, bon bah, si tu le dis. Valkyrie, bah écoute, vas-y, c'est parti. D'accord, bon bah, on repart, alors à tout de suite. Et hop. Re, chers amis, donc, chers amis, nous sommes ici. D'accord, je vois des jolies choses. Ah, Abaddon. Abaddon, il est super stylé, je trouve. J'ai pas réussi. Léviathan, c'est un robot, normalement, ouais, c'est ça. Le Toubib, j'ai pas trop envie. Le Titan. Ah, il bombe Shell, je m'en rappelle d'elle. Mercenaire. Ah, la sentinelle, c'était quoi la sentinelle déjà? Ah oui, elle vole celle-là, je crois. On va passer là-dessus. En attente de joueurs, d'accord, ok, puis tu le dis. Hop. Vache, il m'arrivait un truc. Ah non, on a changé de partie. Ouais, voilà, d'accord, on a changé de partie. Ok, pourquoi pas, hein. On va bien voir. Yo, Simon. Je sais pas si je pouvais passer par là. Initialisation transmetteur. D'accord, j'ai une espèce de bump au passage. Transmetteur récupéré. Hop. T'inquiète pas, foncer, c'est ma spécialité apparemment. Votre transmetteur est connecté. Hop. Ok. Votre transmission est à 25%. Ça peut particulier quand même ce genre de... La mort venue d'en haut. Ok. Ok. Votre transmission est à 50%. Putain, je croyais qu'elle avait été... Pourquoi je peux pas utiliser mon E? Vache, je me suis fait rec. Pourquoi je peux pas utiliser mon E? Intéressant ça. Ah bla, mon marque-page qui est tombé. C'est pas grave. Oui, parce que je lis entre temps, moi, chers amis, merde. Vache, il est bon lui. Et je dois être assez prévisible finalement. Si on changeait de classe. Si on changeait de classe, on va prendre la fameuse Titan Bombe Shell. Ouh. Shift, d'accord. Intéressant. Je sais pas ce que ça fait, ça me soigne. Initialisation transmetteur. Ok. Transmetteur récupéré. Ah vache. J'ai lâché juste devant la base.
Putain, ça va vite. Ah, regardez, c'est la folie. Je sais pas à quoi sert mon E, en fait. C'est ça qui est particulier. C'est... Oh, Zarya! Qu'est-ce que tu fais, là? Est-ce qu'il est? Vache! Il m'a rect. Bon, c'est pas mon personnage, ça. Clairement, c'est pas mon personnage. On va essayer le mercenaire. On va tous l'essayer, de toute façon. Oh, c'est joli ce qu'il a comme arme, lui. Dis donc. Ah bah tiens. D'accord, j'ai une espèce de sprint. C'est un soldat, en fait. Putain, on y voit que dalle. Je comprends que dalle, faut que je sois plus dynamique. Vache. La vache, j'ai du mal. C'est chaud par contre. Je me demande si ça peut faire un train en fait finalement, parce que c'est, ça demande tellement de... de précision et de vivacité. Y'a pas de coup de crosse? D'accord. Transmetteur volé. Transmetteur perdu. Transmetteur récupéré. Ok. Votre transmetteur est connecté. Ok, cool. Me suis suicidé? Non, Twisted qui m'a eu. Ok, bon, bah, c'est intéressant, ça aussi. Le Léviathan, on l'a pas joué, je crois. Ouh. Ouh. Shift, il a donc un sprint aussi, d'accord. Il va m'avoir. Je suis en train de regarder mon interface, il y a un A qui est déjà activé, je comprends pas pourquoi. Par contre, la portée de la lame en fait est beaucoup plus longue que prévu. Votre transmetteur est connecté. D'accord, et j'ai un deuxième mode de jeu, c'est ça ? Transmission est à 50%. D'accord, j'ai une espèce d'armure. Ok. Votre transmission est bientôt terminée. Vache. Oui, c'est pas mon personnage aussi. Faut me dire, si ça continue comme ça, j'aurai pas beaucoup de personnages qui seront bons pour moi. J'ai bien envie de réessayer. La sentinelle, c'était cool, je trouvais ça cool à combattre. Maestro, allez hop, on y va. Ah oui, le double gun, je m'en rappelle. Votre transmission a été coupée. Ok. Okay. Transmetteur ennemi connecté. Ok. Ouais, je regarde à quoi sert mon. Putain, il m'a littéralement. Putain, la santé elle est où là? Pourquoi je continue à marcher tout seul?
Mon personnage se déplace tout seul. Transmission ennemie à 25%. Je peux pas m'arrêter, c'est ça, non? C'est quoi le principe de ce personnage? D'accord, l'autre il est en train. D'accord, il est en surcharge. Putain. Transmission ennemie à 50%. Akimbo! La vache. Je sais pas à quoi sert mon E, faudrait que j'utilise. Ce serait peut-être pas mal. Faudrait qu'il y ait une information sur le E. Y'a pas? Putain, si. Couteau tac. Lancez, d'accord, lancez-le. D'accord. D'accord. Transmission ennemie bientôt terminée. D'accord. Intéressant. Ah, dommage. Ah ah. Intéressant, ça serait intéressant de savoir. Tiens donc. Si je prends, imaginons, elle. Regardez. Il y a peut-être moyen. Merde, j'ai pas avoir le temps par contre d'y aller. Forcément. Aide-moi. L'ennemi a marqué. Ah ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, l'ennemi avait marqué, donc c'est pas grave, je l'ai pas des masses joué. D'accord. Comète, ça je m'en rappelle. Plus de météores, faites pleuvoir une gerbe de grenades explosives. D'accord, forme une bulle à pesanteur éphémère. D'accord, intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe de la sentinelle. En dessous. Faudrait que tu te décides, ce serait peut-être pas mal. Il va falloir de la santé. Ah la vache, ils sont partout. Elle m'a chase avec ses couteaux. Non, on va pas changer de classe. Transmission ennemie, merde. Transmission ennemie à 50%. Putain, elle est solide! Fâche! D'accord, intéressant. Elle était vachement solide, ça m'a surpris honnêtement. Transmission ennemie bientôt terminée. Voilà pourquoi on m'appelle l'as des as. Oh Zenyatta, tu te calmes? Putain la vache. Je crois qu'il ressemble à Zenyatta, je sais pas pourquoi. C'est chaud, c'est très très chaud quand même. Parce que j'ai beau avoir une arme qui a une grosse cadence de tir, je n'arrive pas à faire suffisamment de dégâts. Décollage, verrouillage et carton plein. La mort venue d'en haut. L'ennemi a marqué. Ah la vache! Elle est 40 km, elle me fait des dégâts avec ses couteaux quoi. Transmetteur volé. Ça c'est stylé par contre. Perdu. Transmetteur volé. Transmetteur ennemi connecté. Off! Oh c'est débile. C'est débile, il devrait passer par le côté mais pas devrait passer par en dessous. C'est un peu nul. Désolé, mais là... Transmetteur
Transmission ennemie à 25%. Oh la vache! Je prends trop de dégâts, j'ai pas l'impression d'en faire suffisamment. Je pourrais être rigolo de venger un peu. Transmission ennemie à 50%. Pourquoi je peux pas? Comment il fonctionne? Attendez, attendez, parce que là. Romerus, fusil à pompe. Bah non, c'est pas ça que j'ai. Tir principal, maintenez. Ah, maintenez, putain. Putain, c'est maintenez. D'accord, ok. Là, je comprends. Vache, ça fait mal. J'ai un peu appuyé sur tous les boutons. Ah, frénésie donc. Explosion magnétique. Un anti-projectile explose dans une zone anti-projectile temporaire. Cause un effet de souffle et inflige des dégâts mineurs. D'accord. Image. D'accord. Bon, on a perdu. Bon, on apprend les personnages, c'est pas grave. Bon. En tout cas, moi, chers amis, je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite. C'est très dynamique. Donc, bon, on verra bien.